merveilleux festival du film social. Dernier grand grand film qui m'ait fait très très peur. Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Tout le monde, tous les êtres humains, dès leur naissance, savent ce que c'est la peur. On sait qu'on a peur de la douleur, de la mort, de la perte. J'ai fait les aventures du baron de Munchausen et une femme est venue se plaindre que le personnage de la mort avait fait peur à son enfant. Je lui ai dit, à sa place, j'aurais eu peur aussi. Bonjour, Robert Englund from Fargo. Dans le cube, j'aurais été le premier à mourir. J'essaie de gagner le maximum de prix pour pouvoir m'acheter des maisons comme ça dans le monde entier. Des petites maisons pour faire des super fiestas à l'intérieur. La preuve en images. What did you want to say to William Friedkin? He's the president of the jury. I mean, did you? This guy is a terrific filmmaker. This guy is a wonderful, filmmaker. I tell you. His film, The Cube, is one of the best of the genre. It's good, isn't it? I was just talking about you. It was like a scene from a William Friedkin film. Yes, well, I just appear whenever I hear my name. The next thing that happens, I'm going to appear up on the roof because someone up there is talking about me. Bienvenue dans la seconde partie de notre spécial festival de Gérardmer. Comment présenter William Friedkin, le président du jury de ce 10e festival de Gérardmer? How are you? Why are you sleeping? The testing, 1, 2, 3, 4. All right, this is for sake. Okay. For sake. Cinema is meant to be experienced on an emotional level. Mm-hmm. That's what I look for in a film. Mm-hmm. Does it move me emotionally? You know, not necessarily intellectually. If I want an intellectual experience, I don't necessarily go to the cinema. You know, I'll pick up a work of literature. Voilà, j'espère que tout cela vous a donné envie de regarder un bon film d'horreur ce soir. On se retrouve lundi en clair et au chaud et au calme. Bon week-end. Minority Report, réalisé par Steven Spielberg, diffusé sur Canal+, ce sera dans quelques mois, avec un Tom Cruise en très grande forme. Vous l'avez vu, il effectue la quasi-totalité de ses cascades. Mais vous aussi, je crois, Albert Dupontel, vous effectuez la quasi-totalité de vos cascades sur les films? Pas seulement sur les films, regardez. Ah ouais, hop, hop là. Ah ouais, c'est bien. Voilà, c'est là. Attends. Voilà, et donc... Voilà, des conneries. Ah, voilà. Là, ça va passer, ça passera bien. Là, regarde, là, je me retourne, regarde. Merci. Et hop, je me reviens. Là, vas-y, fais la jambe. Hop, voilà. Voilà, ça c'est donc du making of à l'état brut. Merci Albert. Voilà, pour le son, tout va bien. Jean aussi du jardin, vous du style. Je suis pas Jean, voilà, alors vas-y, Jean, maintenant comme ça. Là, je récupère comme ça. Voilà. Et ça, voilà. Ça a l'air facile, ça n'est pas comme ça. Voilà, Jean, hop, un colon. Et voilà. Voilà, cascade, comment ça va? Regarde la caméra toujours. Voilà, très bien, voilà, très bien. Merci. Les experts apprécieront. Alors, ce que j'ai à dire. Alors, on prend les chaises, on y retourne. Nous serons à Grenoble le 12, à Nice le 21. Voilà. C'était comme ça sur le convoyeur pendant des semaines? Ça c'est rien, ça c'est l'échauffement. Il y en avait plus que moi, mais on en a une petite ensemble là, oui, effectivement. Moi je suis mort deux fois pendant le tournage, mais je vais mieux. Ok Albert, alors on va pas en dire plus, mais en revanche on va pouvoir tout de suite découvrir donc des images du tournage du convoyeur avec un Albert Dupontel en grande forme, sans filet mais avec filin, Jean Dujardin qui au sens propre comme au sens figuré en prend plein la gueule, et Nicolas Boukrieff, le réalisateur qui est également chorégraphe. C'est brut de décoffrage et c'est fait exprès, ça dure 13 minutes et on est au cœur de l'action, le convoyeur. On fait un extrait déjà, regarde. Allez, allez-y.